On est 9 12e ex-aequo avec Enzo, Diga et Zoro. Et Hydra aussi. Et Skipeus. Ah non, on est 9 9 14e. My bad, excusez-moi. Non, j'ai. Honnêtement, après avoir review ma game, il n'y a pas grand-chose que j'aurais pu faire mieux. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à me reprocher. C'est pas grave, go next. Top 5, c'est un bon résultat pour une game de merde. Crab Rave, je déteste. Champion Delivery, c'est ok. On va aller là. GLHF Defen. C'est bien qu'en tournoi, quand tout le monde Defen, c'est que tu peux pas annoncer ta compo dans le chat, tu vois. Et tu peux pas être en mode Miss Seraphine full mute. Tu peux essayer de la jouer, mais. Tout le monde s'en branle de ce que tu dis. Country. Eh. Et là-dessus, c'est tout. Blade chosen, Jinx chosen. Yasuo, c'est non merci. Père ou pas père, on va les couler. Ça par contre, ça se clique littéralement tout le temps. Et on va... Evelyn Kata à côté, prendre ce Tam. BF Baguette March into Seraphine. J'aime pas ça. Je pense que c'est juste March progress. Et on se reroll un truc, c'est tout. Hein. Slam rien et. Les KDA super fan. Vulcan 1, ok, c'est très nul. Ça, c'est pas ouf. Morello, il a eu. Il va jouer Seraphine. March avec des items. Je sais pas si c'est AP ou AD, ça peut être n'importe quoi. En vrai, ça indique une game Seraphine, ça, mais. Pas avoir peur de slam, ça peut dissuader les autres. Ça j'ai March of Progress donc Et... Il va jouer Disco. Il y a moyen. Ok, je joue Disco. C'est fort Disco, je crois que je gagnerai pas ce round. Ça n'a pas une très grosse importance de gagner le round. On veut éco des HP. Et stacker des golds.
Ouais, c'est dur de battre ce genre de board en early game. Ok. On peut garder notre paire d'Evelyn. Je vais juste mettre deux Evelyn en fait. Va à gauche s'il te plaît Yasuo. Non pas là, c'est à droite. C'est dingue ces gens qui confondent leur gauche et leur droite, what the fuck. Baguette, tire. Tire un goal, personne n'en veut. Ah, il ira pas sur Séraphine. Enzo, c'est pas un mec qui joue au con. Ça, c'est mon Enzo, ça. Ok, bien avec Enzo. Enzo il joue pas au con tu vois, genre s'il voit un start de Séraphine de Zinzin chez quelqu'un d'autre il va pas essayer de la contest. Ok Dalsum. SNH chosen. Il a le warm, il a le Rabadon. Ah il est terrifiant Dalsum. Lélé hein. Peut-être bien Lélé. Dégage. Jax Mosher. Eh. Même pas spécialement plus fort. Enfin, je pense que c'est plus fort, mais j'aime bien mon Olaf. Ça coûte cher. Bon, cette game va se jouer. Est-ce que je vais trouver Séraphine ou pas? Y a aucun secret. Hein. Soit je hit bien, soit c'est finito pipo. Very treasure, somme tous ces items. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Sinon on peut jouer peut-être une Kayle. Dans tous les cas, Kayle sera un meilleur holder ici. Flex Kayle Séraphine, I guess. Bootloss, j'en pleure. L'open Riven. Ok. BT, Crown, Steadfast, TG. Non, il va pas jouer Séraphine. Avec Bulk en 1.
On a eu Shojin, ouais. On est pas obligé de jouer Séraphine, hein. On verra. Quoi ces shops? Je crois que j'ai pas trop le choix. Hein. Nice. Allez, en avant les histoires. Et là, on peut mettre ça. Hein. Stone plate. On peut mettre juste l'armure. En soi, il n'y a pas de raison de pas faire une stone plate. Quoi faire une stone plate? Ah, lui aussi, il veut faire ça? Et il veut le jouer au con, en fait. C'est marrant, ils veulent tous jouer au con. Hein, j'ai March of Progress. Il en a 4. Il en a une. Ah, force à eux. Hein. Et lui, il en deny. Ok, on va prendre des Sénats. Alors. Alors. Ok. Je suis tombé dans un lobby où les gens veulent jouer au con. Ah, on va jouer au con. En vrai, jouer au con, ça peut marcher, hein. Mais ça peut aussi ne pas marcher. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec le fait de jouer au con. Quand je sais que je peux jouer au con. Et que je vais gagner à jouer au con. Ah, là, le plus con, c'est moi, là, tu vois. Là, le plus con, j'ai March of Progress Team Building. Tu veux jouer au con avec ça? T'as bonne chance. Parce que tu vas en avoir besoin de la chance. Par contre, s'il pouvait arrêter de dodge. Merci. Il veut jouer au con, on va jouer au con, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors. On a déjà Beast Seraphine, qu'on veut juste ça. Bien ça. Bon, Echo Baguette. On va bien prendre tous les échos aussi. Prendre chaque Echo, chaque Nico, chaque Lilia, chaque Séraphine, chaque Senna. Et il a vendu. Non, il l'a pas vendu. Il l'a pas vendu. Non.
Il est strong. Hein. Ok. Good loss. Oh la good loss en pleurs. Très cool d'avoir Echo. Nico. Ok, Kennen. Je vais stacker mes golds parce qu'on va roll au 7 la suite. 4 Séraphines. Il a même pas de choix gen, il a rien genre. Séraphine. Il a une Harry. Lui aussi veut jouer Senna. Putain mais c'est quoi ce lobby? On va dîner Léa Kali hein. Va à gauche, Nico. Ok c'est ok. Bon stun. Ok, good loss. Peut-être Akali over Lulu, je sais pas, y'a pas d'item. Toi roll plus deep. Ok, on verra plus tard pour Lulu je pense. J'ai trop de baguettes, c'est ça.
cette fameuse game, hein. Bon. Moi, on a Harry 2. Il a hit son 3 stars avant moi alors que je joue March of Progress. Et que j'ai team building. J'ai de chance. Yasuo average 7 sur ce tournoi.
Quel plaisir de lire des commentaires nauséabonds après une game comme ça. En mode, j'ai le choix de jouer reroll quand c'est Prisma en 1 avec March of Progress. En mode, il y a quelque chose d'autre à faire que jouer une reroll. En mode, il y a quelque chose à faire d'autre que jouer Séraphine ou Senna quand c'est les deux comptes les plus broken du jeu. Et après, t'as toutes les analyses du genre, oui, mais il y avait beaucoup de Serra sortis du pool, blablabla. Bla bla. Je les ai comptés, les Séraphines. Il y en avait 4 sortis du pool. 4. Ça a rien à voir avec le pool. Juste. Mes shops étaient vides, c'est tout. Ah, t'es vert. J'ai joué la game comme il fallait. J'ai pas hit, j'ai pas hit. Next. Top 8, ça arrive. Je vais cringe anyway. Je l'ai répété toute la semaine. Ce qui me terrifie le plus, c'est d'arriver sur une game comme ça où t'as une direction indiquée et que tu rerolls et tu retrouves pas. C'est ce qui me terrifie le plus. C'est ce qui me terrifie le plus. Et quand ça se passe bien, bah tu fais une bonne game. Quand ça se passe pas bien, tu fais une mauvaise game. Mais tu peux rien. T'as pas d'impact sur la game en fait. T'as pas de. Tu peux te positionner et encore quand tu joues KDA, super le positionnement. T'as juste à roll down en fait et à hit. Mais comment est-ce que genre je trouve pas avec March of Progress et Team Building, genre c'est aberrant. C'est aberrant. Et me dites pas que Séraphine était contest. Il y en avait 3 ou 4 de sortie du pool, il y en a 20 dans le pool. J'avais Team Building, j'avais la prio sur tout le monde, j'ai commencé à roll avant tout le monde. Et il a trouvé sa Senna 3 lui, il a trouvé sa Senna 3, il a eu Blinked Out et du coup il va top 1 la game. Moi j'ai pas trouvé ma Séraphine, j'ai fait top 8. Et il a trouvé même Echo 3 dans un lobby où tout le monde le joue, alors que j'en avais 6 ou 7. Mute le chat, non mais je le mute le chat, mais après ma game je lis tu vois, et je lis quoi? Je lis des conneries. Je lis des conneries. Bah moi non, maintenant je vais dire à mes modos de mettre des permaban à vue. Et comme ça j'ai plus à lire ce genre de trucs tu vois. De toute façon les défaites ça attire toujours les pires sacs à merde de l'humanité genre. À chaque fois que TFT c'est un jeu où quand tu fais des défaites, t'as toujours des trucs dans le chat. Des mecs qui cherchent tu vois, des mecs qui cherchent la merde. Mais c'est pas grave, ces mecs là ils vont prendre leur perma et puis c'est tout, on en parle plus. Ah vous mettez des permas, y'a pas de 10 minutes hein, y'a pas de 10 minutes. C'est perma. Direct. Ciao, au revoir, bisous, adieu. Et après ça m'envera un DM dans 2 mois en mode ouais désolé. Y'a pas de désolé mon ref. Bon bah j'ai fait top 2, 5, 5, 8. Je suis dans la moyenne basse maintenant. Yes. Stylé. Je joue régu pour perdre toute mon avance sur une game reroll qui est le roll. C'est tout hein. Vraiment pas d'autre explication. Hein. Ça faut une naturelle Harry 2. Fast 9 avec un board full T1. Double bulk. 6 d'average by the way. S'il trouve pas ça Harry en 3-1 avec blue buff dans Nashor, il a perdu la game. Ça faut God Gamer hein, qui se fait que je te dise. Il est trop fort. Hein. Toutes les games, il a une chat out of this world. Sapho, il a le cul bordé de nouilles. Toutes les games. Toutes les games, je vois ses spots. Je me dis, mais attends, comment il fait, tu vois? Enzo, sa game, elle est legit, mais. Il va avoir du mal, quoi. Il a trouvé son TF. Il a fait Fast 9 pour jouer disco. Ça capte bien avec ZX2 et Loi 2, mais.
5. Sad. Le jeu m'a donné Akali 2, j'avais pas le moindre composant à lui donner genre. Ouais, j'avais pas de composant pour elle, j'avais deux baguettes belt sur mon bench. J'aurais bien aimé lui mettre un TG, rentrer Akali et jouer un 5KDA etc, mais je n'ai pas d'item pour elle, je pouvais pas la jouer. Avec des composants différents, j'aurais pu avoir une meilleure game. Force, il reste deux games. Non, il reste plus que deux games. Il reste deux games aujourd'hui et 6 games demain, mais... Justement, en fait. T'as l'impression que t'es à 12 games, mais c'est à 12 games. Et il faut être top 8 après 12 games. Il faut pas être top 16. Donc ce genre de top 8, ben, ça te peut te niquer ta compétition, tu vois. Genre à la fin, il pourrait me rester genre 3 points. Il pourrait me manquer 3 points pour le faire. Et genre, bah en fait, on va revenir à cette game, tu vois. Je pense que j'aurais pas top 1, tu vois. J'aurais pas top 1 si j'avais hit, à mon avis. À mon avis, j'aurais pas top 1. J'aurais pas gagné contre... En vrai, lui, si j'étais encore dans la game, il aurait pas Echo 3, donc il aurait pas la même game. Je pense que Jing va top 1 la game. Je pense que Sappho, j'aurais pas perdu contre lui dans le matchup Mirror. J'aurais eu un meilleur matchup. Et lui j'ai un bon matchup contre lui parce qu'il est full paquet avec son submit to the pit. Mais ça dégoûte parce que Mosher, c'est pas spécialement une bonne compo. Il a forcé Mosher en jouant TG Urgot. Il a submit to the pit en 3. Et il a son Urgot 3 avant moi. Alors que c'est un 3 cost, moi j'ai roll un 2 cost avec March of Progress. Non vraiment c'est une folie. Non, je sais pas, en fait il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est une folie de prendre March of Progress Team Building et de pas trouver son 3 star. C'est genre, ça existe même pas. C'est vraiment trop une folie. C'est trop une folie, putain. C'est trop grave. Aïe 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 aïe. March of Progress. Team Building. Echo de Zinzin. 4 Séraphines en 3-1. J'ai trouvé une Séraphine en 50 rolls, genre. Vous pouvez compter le nombre de rolls entre le 3-2 et le 4 et genre la fin de stage 4. J'ai dû faire plus de 50 rolls. Genre littéralement plus de 50 rolls et j'ai eu une seule Séraphine. C'est vraiment une dinguerie. Il y a R. Crow, genre, je l'ai dit, je l'ai répété toute la semaine. Genre, ce qui me terrifie, c'est d'arriver à ce tournoi et d'appuyer sur D et il n'y a rien dans les rolls. March of Progress Team Building. Je peux pas trouver Séraphine 3. Est-ce que tu te rends compte? March of Progress Team Building. Hey. Mais ce soir après le tournoi je vais lancer une game, je vais avoir 4 Séraphines par roll, je vais naturellement 3 stars en 3-2. Et je vais me dire bah super cool, j'ai gagné DLP. C'est pas maintenant qu'il fallait avoir cette game. La prochaine je la Luxac, on verra. Hein. J'aimerais bien avoir un dixième de la chance de Sappho. Akali 3. On n'a pas les mêmes games March of Progress. Hein. Senna 3, Echo 3, Akali 3. Qiyana 2, Illaoi 2, Yorick 2, Blinked Out. Yes. Je vous jure, on joue pas au même jeu. Hein. Dalsom, chaque fois que je le vois en ladder, je le pulvérise. J'arrive en tournoi, il joue la game de sa vie. Allez, bravo. Cool, les prismatiques, on adore. Bravo à tous. C'est pas grave, hein, on a juste à aéro 8 games de suite et on est bien.
J'avais vu un message qui disait t'aurais pu cliquer sur la Lulu. J'étais au courant que je pouvais cliquer sur Lulu, sauf que Lulu, avec ces items-là, ça pue la merde. Et deuxièmement, Lulu, si t'as pas genre hologramme, si t'as pas genre hologramme ou un mirror, c'est pas si fort que ça. J'aurais pu cliquer sur cette Lulu. Ça aurait été une game différente. Mais normalement, cette game, c'est Séraphine, et normalement, je dois la trouver. Ah, il nous faut un top 1 là. Hein. C'est chiant d'avoir un top 8 et d'être seulement. Ça, j'ai 16 points, j'ai tellement de retard quoi. Le cut il va être tellement haut, il faut être top 8. Demain, à la fin des 6 games, il faut être top 8 quoi. Ça se rattrape, hein, mais c'est dur. C'est dur.